mind-blowing miracles. Blind eyes open. The captives are set free. Total healing. Total liberation. The lame walk. The body conceived. Mind-blowing miracles. The miracle you're about to watch is that of a blind woman who was brought here by her siblings in the Arena of Liberty, hoping on the Lord Jesus Christ to restore her sight. By faith, she believed and she received. This is a proof that Jesus Christ lives. He is the same yesterday, today, and forever. Stay connected as you watch. She's blind. You don't see. Elle aveugle. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Non. Mais c'est que je me dis qu'elle va voir maintenant. But something is saying that she'll see now. Hey. Something tells me she will see now. Quelque chose me dit qu'elle va voir. So thank the Lord for that miracle. Reçois ça. Receive it. Toi diable. You devil. You wicked demon of blindness. Get ready to celebrate miracle right now. Commencez à célébrer le miracle maintenant. Because I see her see. Parce que je la vois voir. Lève-toi. Stand up. Stand up. Lève-toi. Regardez-moi. Suivez-moi. Suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. Suivez-moi. Follow me. Suivez-moi. Follow me. Oh mon Dieu,
Fais comme ça. Fais comme ça. Dieu bon, Dieu bon, Dieu bon. Alléluia, alléluia. Oh mon Dieu, Dieu bon, Dieu bon dans ma famille. À tout le monde, tout le monde. À tout le monde, à tout le monde. À tout le monde. Ça, suivez-moi. File. À tous les monde. À tous les monde. À tous les monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Aïe, 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 aïe. Today. Comment how do you bring higher today? Comment l'avez-vous transporté ici aujourd'hui? Il est transporté sur la moto. I carry her on the bike. Je quitte depuis Texaco à l'aéroport. Si Texaco à l'aéroport. When he was there, she was not seeing anything. Elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas. Elle ne voyait rien. She was seeing nothing. Vraiment, je remercie vraiment le bon Dieu. Je remercie le Seigneur. I just thank the mighty God. Hey! Le Dieu des prophètes Eric, c'est le vrai Dieu. With all my heart. With all my heart. By faith, she believed and she received. This is a proof that Jesus Christ lives. After prayers, this woman and her husband testified divine healing and favor of God on their side. She was blind, but now she can see. Si étant aveugle, alors dis-nous, depuis quand est-ce que tu ne voyais pas? Avant ça a commencé hier soir. C'est depuis hier. En journée, je voyais bien, mais autour de 21h, j'étais en train de visionner un film nigérien et subitement, je sens comme s'il y a du sable dans mes yeux. Je frotte les yeux, je frotte, mais rien. Après, je commence à voir flou. Je dis à mon mari qu'il paraît que je ne vois pas bien, je vois flou. Il me dit que non, c'est le piment qui entre dans tes yeux. Je lui dis que non, ce n'est pas le piment. Je ne vois vraiment rien de bon. C'est où il me dit ferme les yeux, j'ai fermé. Il me dit ferme les yeux pour 30 minutes, j'ai fermé au moins une heure de temps. Après, quand j'ai ouvert les yeux, tout était obscur devant moi. Je ne pouvais plus rien voir. Je touchais seulement les gens comme ça. Je ne sais vraiment pas comment ça arrivait. Je ne sais vraiment pas. Donc, je ne peux pas expliquer. Et ce qui est vraiment arrivé ce soir, c'est vraiment un miracle. Quels sont tes sentiments à présent, après avoir vécu cette séance? Tu as vu en direct un miracle, exactement ce qui se passe dans la Bible. Toi qui ne connaissais pas ces choses, alors quels sont tes sentiments actuellement? Sincèrement, je suis très fier de tout ce que le Seigneur a pu faire pour moi parce que je ne croyais jamais. Je ne croyais pas que cela pouvait arriver. Et lui remonter avec le moral de ne pas perdre d'espoir, que rien que les prières, on ne sait jamais, ça va fonctionner. Et à cause de ça, j'ai pratiquement perdu 3 jours de travail. Et s'il arrivait que je perdais le travail, ça devait encore nous affecter plus à la maison. Donc je remercie sincèrement le Seigneur de tout mon cœur et tout ce qu'il a pu faire.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'oublions pas la chose la plus essentielle, la vie éternelle. Après le miracle, continuez à suivre le Seigneur Jésus pour garder le miracle parce qu'il a mieux pour vous. Alléluia.